Et salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la 12e vidéo sur Uncharted 4 ETF End. Dans la dernière vidéo, nous étions dans le chapitre Les Valeureux. Le chapitre... non, Les Valeureux, on l'a déjà fait, c'est chapitre 10, voilà, les 12 tours que nous n'avions pas fini, mais voilà, on devait être à la toute fin. Nous étions arrivés à la fin de la vidéo sur une sculpture qui apparemment représente une carte. Et ensuite, eh bien, les hommes de Shoreline sont arrivés, ils ont tout défoncé. Et on s'était quitté là. Donc on va commencer cette vidéo par... un petit gunfight, les amis. Un petit gunfight des familles. Alors, va falloir que je me réhabitue aux touches, parce que là, ça va être terrible. Ça va être terrible. Mais voilà, on va... voilà, si on est vraiment à la toute fin du chapitre, en espérant que le chapitre suivant soit assez court, comme ça, voilà, ça fera pas une vidéo trop longue, parce que bah, la dernière vidéo, elle était vraiment, vraiment trop longue. Et aussi, c'est parce que, bah voilà, hein, y avait pas mal de fails aussi dans la vidéo précédente. Donc voilà, ça aide aussi à rallonger les temps de vidéo. Chose qui m'embête un petit peu, mais bon, je fais comme je peux, les amis. D'avoir par ici. Ah, Saint-Dismas. Comment on se retrouve? Alors, qu'est-ce qu'on a? De nouveaux sceaux. Là, c'est notre cher Avery. Thomas Thieu. Et là, c'est... Là, c'est Adam Baldridge. Là, c'est Joseph Farrell et Larry Charmont. Tous des capitaines pirates. Bah, faut croire que ta théorie sur un rassemblement de pirates n'était pas si ridicule que ça. Alors, à ton avis, qu'est-ce que tu crois qu'on doit faire ici? Appuyer sur un bouton? Tirer sur un truc? Je sais pas trop. Peut-être un truc avec les bras? Ouais, vas-y, essaie. Allez. Hey, les gars. Quand vous en aurez assez de tripoter ce pauvre Saint-Dismas, moi je serai vous, je viendrai jeter un coup d'œil par ici. Le trapèze qui est là, c'est forcément le volcan, on est d'accord. Et la couronne, c'est la baie du roi. Je crois qu'on est tombé sur une carte, jeune Jean. Tu sais que t'es un putain de génie, Victor. T'entends ça, Nate? Un génie. Ouais, ouais. Alors nous, on est à cet endroit. Cette tour est alignée avec le sceau d'Avry. Ok, donc ça veut dire que les autres sceaux... doivent correspondre autour de l'époque d'Avry. Bon, du coup, le trésor est sûrement dans l'une d'entre elles. Sûrement, mais laquelle? Si je compte bien, il y en a 12. Dis-moi, Victor. Tu ne serais pas mis à fumer des cigarettes, par hasard? On doit pas être les seuls à travailler dans le coin. Mettez-moi couvert! Aïe aïe aïe. Oh, il m'a défoncé. Il m'a défoncé direct. Ok. Quoi? Ah, sérieux, putain! Ah là 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 là, mais c'est pas vrai. Waouh, sérieusement?
C'est fini cette fois? Ouais, faut espérer. Tout va bien? Ouais, ouais. Sam? Ouais, par ici! Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de savoir si j'ai raison. Regardez ça. Bon, le gunfight, ok. Bon, ça sera bien sorti. Allez. Eux aussi, ils ont compris pour les tours. Les emplacements, les sauts, les travaux. Bon, et maintenant? Bah, c'est simple. On est dans la merde. Parce que nous, on est venus à trois, alors qu'eux, ils sont toute une armée. Et ils ont une longueur d'avance. Oui, mais ils savent pas encore dans quel tour ils doivent aller. Super, Nathan. Sauf que nous non plus. Si, on le sait. Regarde. C'est un peu abîmé. Mais on voit à quoi ça correspond. T'es sûr de ton coup? Parce que ça pourrait être celle-là aussi. Oh, merde. Aha. Ah, en tout cas, deux tours, c'est toujours mieux que 12. Ok. Moi, je m'occupe de cette tour. Sully et toi, vous prenez celle-là. Non, non, pas question. Raif a déjà dû envoyer des hommes dans toutes les tours. Bah, justement, si on veut avoir une chance de les devancer, alors va falloir qu'on se sépare. Attends, Sam, il faut pas se précipiter. Ah, il a raison. Ces tours sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. C'est pas vrai. Si tu tombes sur l'un des gros bras de Shoreline, tu nous appelles surtout. À tout à l'heure. Allez, Nate. Faut pas traîner. Ouais. Et chapitre 11, comme le nez au milieu de la figure, on va tenter de faire ce... de faire ce chapitre en espérant. Mais on en a déjà vu des trucs dingues. Ça, tu peux le dire. Qu'il ne soit pas trop long. Ah, un petit animal, lui. Allez, on perd pas de temps. Hey Nate, je veux pas que tu en achètes une. Sully, t'es pas bien de porter une chemise pareille. Ah, cinglé mais beau. Ça sent super beau ici, je trouve pas. Il a raison, ça sent très bon. Allez, ok, tac tac. Ah, y voilà. Forcément, c'est fermé. Il va falloir qu'on se faufile à l'intérieur. Discrètement. Oui, c'est ce que je voulais dire par se faufiler. Ah. Et ben voilà, on va passer par là. Hé, Sully, je pense qu'on peut passer par là. C'est parfait. Oh, ça me semble terminé. Tout va bien pour toi? T'avances à ton rythme et moi j'avance au mieux. Oui, au moins, on a le temps d'apprécier cette belle vue. Ah, c'est vrai que la vue est belle. Bon, on va faire le tour des lieux. Le sceau d'Edward England, comme indiqué sur la carte. Bon, qu'est-ce qu'on cherche exactement? Ah, bonne question. Ah.
Bah ça par exemple. Tout simplement gigantesque ce clocher. Oui, ça tu l'as dit. Ok, donc une sorte de cadran. Ok. Tiens, qu'est-ce que tu paries? Ok, donc là, il va falloir faire les cloches dans un certain ordre. Alors, scorpion, verso, lion et taureau. Okay. Donc, scorpion, pour commencer, le scorpion, il est là. Ok, donc là on peut rien faire. Je reviens tout de suite. Donc le scorpion il est là-bas. Essaye de pas te retrouver coincé dans tous ces engrenages. C'est clair. Ok. Tout va bien ? Ouais, pas de problème. Ok, attention à tes doigts, Nate. Tu vas pas m'inquiéter ? Non, tout va bien. T'inquiète pas. J'ai déjà entendu ça. Le lion. Je suis sorti avec une lionne, toi. Ah, c'est pas le lion qu'il faut faire en premier. Bon, quoique, vu qu'on est là, allez, Nate, s'il te plaît. C'est pas cool pour mes oreilles. Ça n'a eu aucun effet, Nate. Ah oui, c'est le scorpion en premier. Mais comment tu fais pour aller au scorpion? Ah bah attends, c'était juste là. Ok. Scorpion. Pareil qu'à venir des scorpions. Hey Nate, ça a fonctionné. La serrure du scorpion vient de se débloquer. Ok, je passe à la deuxième maintenant. Ok, et donc la deuxième c'est le verso. Le verso qui est juste là. Thank you.
Ok. Et le lion, s'il est en face. Ah oui, mais il veut pas se laisser tomber en fait. Ok. Comme ça. Bah voilà, bah le lion il est là. Parfait. Et le taureau. Le Verseau est là. Le taureau, il est en face. Ah, sérieux ? Ok, donc tout ça, ok, c'est fait. Et on peut toujours voir, ok, on peut toujours voir les dessins de Nate qu'un talent certain hein, pour les. Pour les dessins. Ah.
Ok. C'était sympa. Ensuite. Ok. Wow. Ça, c'est une sacrée vue. Bah, admirer, hein. Ok. Ah, attends, c'est bien par là qu'il faut aller. Mais comment tu fais pour les aligner ces églises, enfin ces aiguilles? Ok. Non. Ah, voilà, parfait. Vraiment, tout va bien pour toi, Sam. On va faire le tour. On fait le tour parce que ça, c'est le. Ah! C'est bon, Sully, j'ai réussi! Ça va faire du bruit! Bon bah ça sera retenu sur sa paye hein. De Dieu. Tiens, celui. Oh merde. Au moins j'ai réussi à ouvrir la porte. Tu m'étonnes. C'est une façon de faire. Tout va bien? Je sais pas encore. Et toi? Je suis sourd. Allez, voyons ce qu'il y a. C'est bon. Yes. Tu la veux? Ah, bien sûr, pourquoi pas. On descend voir?
Je croise les doigts pour qu'on tombe sur les tonnes d'or et de bijoux. Sam, enfin, tout va bien? J'ai fini de fouiller ma tour, j'ai rien trouvé. Ouais, bah, nous, on est au bon endroit, y a aucun doute. Viens vite nous rejoindre. Ah bon, t'es sérieux? Ok, ok, j'arrive. Il arrive. Cool. Ok, donc on est quand même armé. Celui. Je suis là, t'inquiète. Ah ah. Oh. Hey, ce serait pas nos gars, là? Ouais. Henri Avery, Thomas Thieu, complice de toujours. Une énigme. Ça faisait longtemps. Ils ont fondé quoi? La pire de toutes les chasses au trésor. Ce sont les sceaux d'Avry et de Thieu. Mais ils sont légèrement différents. Ouais, ouais. Il y a des motifs d'étoiles dessus. Ils pivotent. Dans quel sens je dois les tourner? Voilà, comme ça, on rassemble les étoiles. Jeter un coup d'œil. Ouais, mais attends un peu. D'autres symboles de pirates. Adam Baldridge, Anne Bonny et Christopher Condent. Mais comment t'es censé savoir? Ok. Alors attends. Ça on l'a vu, on a vu. Ah, on a vu, on a vu. Ah, ok. Tac, tac, tac. Ah ouais. Il y a beaucoup trop de possibilités. Et si on allait voir où conduit cette porte? J'espère encore trouver un trésor ici. Pareil pour moi. Bien, allons-y. Tiens, regarde, j'avais raison. Baldridge, Bonny et Condent. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'ils font là exactement? Allons le découvrir. Ah oui, c'est vrai, Condent était appelé Billy le Manchot. Il devait avoir une fausse main. Tiens, des étoiles. Ce sont les mêmes que celles sur les sceaux d'Avry et de Thieu dans l'autre salle. Ah, ouais, t'as raison. Ah ah. Ah, quelle moustache! Presque aussi impressionnante que la tienne. Oui, c'est pas mal. Ah ouais, et là, il va falloir trouver les carrés. Voilà. Voilà encore un de ces motifs d'étoiles. Ouais, mais celui-là est un peu différent du premier. Ah ouais, okay. Bien vu, dis donc. Merci. Tu vois, je suis pas seulement qu'un beau gosse. Qu'est-ce que t'en dis? Le sceau d'Avry et celui de Thieu. Les étoiles dessus s'alignaient, tu te souviens? Je parie que celle-là aussi. Oh. Attends. Est-ce que 2, 3... Comme ça?
Ah oui, bah. Ouais. Alors, attends. Comme ça. Ça. Comme ça. Et ça. Comme ceci. Ok, alors. Pencher à gauche, ok. Ensuite. Et les deux vers le bas. Ah bah, il restait celui-là. Voilà. T'en sais rien, quoi. Et je te signale qu'il y avait beaucoup de pirates à l'époque. Alors on est coincé. On n'est pas coincé. Arrête. Ton téléphone. Ah ouais? C'est l'appel à un ami? Pas loin. J'appelle Sam. Voilà. D'accord. Très belle ces peintures, t'as remarqué? Si jamais on trouvait pas le trésor, on pourrait toujours les vendre à un musée. William Mays. Américain? Ouais, de Rhode Island. Comme Thomas Stewart. Eh ben voilà. Ok. Ouais, t'es encore dans la tour? Je viens juste de descendre là. C'est quoi la photo que tu m'as envoyée? Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, dis-moi juste ce qui tu vois. Alors déjà, les dauphins, c'est Richard Wendt. Ensuite, le trident, c'est Joseph Farrell. Et les deux mains avec la perle, c'est William Mays. Super. Reste dans un endroit où tu captes, au cas où j'aurais besoin de toi. Ah! Mais Nathan, t'as trouvé le trésor? Non, pas encore. Mais j'ai un mécanisme à résoudre. Je te raconterai. Évidemment, il va nous en manquer un. Un livre, un globe. Ce Wendt, ça devait être un érudit. Ah, Richard Wendt. Il était le capitaine du Dolphin. On dirait que lui et Baldridge, ils faisaient un concours de la plus belle moumoute. Tu peux m'aider, celui? J'arrive. Merci. C'est droit? Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Bah, ça me gêne. Oh là, regarde la tête de Farrell. Il a pas envie d'être là où il est. Voilà. Ok. Non. Alors. Ça fait comme ça. On va faire comme ça, ça. On va faire comme ça. Et ça. Non, il y a un truc qui va pas. Il en faut un là. Bon, on va essayer ça. Ça m'a l'air d'être pas trop mal là. Ok, alors. Blanc en haut, noir en bas. Bête, je peux rester là comme ça et regarder le journal. Ensuite,
ça carrément en bas. Et les mains. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah bah oui. C'est pas ça du tout. Non. Non plus. Non. Alors. C'est que là, déjà, c'est que c'est pas bon. Ah, là, par contre, ça a l'air d'être pas trop mal. Ah, intéressant. Intéressant. Comme ça. C'est le blanc de l'autre côté. Et les mains. C'est toujours pas ça? Ça commence à être. Ça commence à être chiant là. Est-ce qu'il n'y en a pas? Ou les mains en bas? Enfin, les mains en haut plutôt. Voilà. Voilà. Wow. Encore. C'est qui ces pirates? Bam. Franchement, ça me surprend beaucoup que tu les reconnaisses pas. Mais si, je les reconnais. Je veux juste vérifier que Sam aussi, parce qu'il aime se sentir utile. C'est juste ça. Ah ouais, c'est juste ça. Merde, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je dirais que c'est une torche qui s'est décrochée. Bien, on va voir ce qui reste. Je reconnais pas ce type. Il a l'air beaucoup plus jeune que les autres pirates. Non. Pas de nom. Ce type est habillé comme un mort. Tiens, Sam vient de me répondre. Ah, tu vois celui? Alors, gauche à droite. Edward England, Tariq Bing, Malik, Yazid Alba. Ça, je n'ai encore jamais vu le saut du singe. Yazid Al-Bazra. On dirait un indien. Presque. Un mogol. Attends, mais c'est pas les mogols qu'Avry a dépouillés? Le code d'honneur des voleurs. Ouais, comme s'il était toujours respecté. Edward England. Petit, ouais, mais costaud. Ah, il y en a, on n'a rien. Bah, façon, celui-là, il va. Ah, ouais. Oh là là. Oh, ça va être chiant, celui-là. C'est qu'on doit pouvoir trouver. Ah ouais, je l'avais pas vu. Et voilà quatre. Je l'avais pas vu. Bien vu. Bien ouais. Bon, j'ai les noms de deux d'entre eux. Ça pourrait suffire pour trouver la solution. Ah.
Alors. Donc déjà, toi, tu vas venir là. Et toi, tu vas venir là. Ensuite, 3 rapprochés. Donc à mon avis, ça va être ça. Ça, ça va être ça. Du coup, toi, ça va être ça. Et toi, ça va être ça. Ok. Donc déjà, ça. Voilà. Ça. Voilà. Sur le côté. Ok, c'est bon. Parfait, on n'aura pas galéré. Donc impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bah, je sais pas trop encore. Tu veux peut-être l'envoyer à Sam ? Vraiment ? Quoi ? C'est pas moi qui dis que c'était l'expert en piraterie. Mais c'est toi qui vois. En voilà déjà une. Voilà. Et on prend les photos. La dernière. Voilà. On va voir ce qu'il va en tirer. Tu sais, ça me fait penser à... Attends. Qu'est-ce que tu fais ? T'as juste pris les photos. Prends ça. Ceux qui passaient ces épreuves, ils avaient sûrement pas de smartphone sur eux. Oh, t'es sûr ? Alors, dans ce cas, ils avaient qu'un moyen de trouver l'indice suivant. Ça ? Des indices ? Ouais. Et voir. Et voilà. Oh, oh, oh. Alors, ici, ça se pourrait bien être des alizés. Ouais. Et ici, on dirait des latitudes. Ouais. Si je comprends bien, va falloir qu'on remette les voiles, Mathieu, c'est ça? Quoi? Prodeus quad licentia? Non, non, c'est pas possible. Quoi, pas possible? Oh là là, c'est tellement évident. Nate, pourquoi ça m'a pas sauté aux yeux ? Arrête de jouer les mystérieux, c'est bon, hein ? Dis-moi plutôt de quoi attends, tu parles. Attends, attends. Sam, t'as eu les photos ? Quelle surprise ! Je crois appeler sur le téléphone de Sullivan et deviner qui décroche. Ça va, Nate ? Salut, Rafe. Ça fait un bail. Comment t'as eu ce numéro ? Sullivan l'a laissé sur une serviette ? Si seulement. Ça aurait pu me coûter que quelques verres de rhum. Mais non, au lieu de ça, j'ai dû payer le prix fort pour vous trouver. Ah, j'espère que t'as pas trop dépensé dans toute cette histoire, parce que la concurrence est rude. Ouais, c'est vrai que t'as pas trop mal assuré jusque-là. Mais tout ce qui compte, c'est de mettre la main sur le trésor d'Avry en premier. Est-ce que tu me lances un défi ? Hey. Nate, tu sais que je suis du genre joueur, mais ma partenaire... Elle, elle est plutôt du genre à... se dispenser de prendre des risques inutiles. Oh, Rafe Adler, qui reçoit des ordres de quelqu'un d'autre. C'est fou ce que les temps changent. Écoute, Nate, je vais te faire une offre qui sera valable qu'un temps. Tu laisses tomber. Tu rentres et tu vis ta vie. Et je suis prêt à tout te pardonner. En souvenir du bon vieux temps. Aussi tentant que ça puisse paraître, Rafe. Je t'avoue quand même que c'est pas trop mon genre de renoncer alors que je suis en tête, tu vois. Très bien. Rodeus quod licentia, pour tuer la liberté. Très belle photo, Nate. Bel angle de vue. T'as piraté nos téléphones. Tu m'as volé la foi ! Écoute, Nate. Si t'es à moitié aussi malin que tu le crois, tu vas accepter mon offre. Tu décides quoi ? Ça m'a fait vraiment plaisir de te parler après tout ce temps, mais je dois prendre cet appel, alors ? Attends, Nate, raccroche pas ! Nate ! Quoi ? Dis-moi, t'es au courant que sur les téléphones actuels, il y a des puces GPS, hein ? Bientôt, mon pote.
Laisse-moi deviner, des types armés vont débarquer dans le coin. Sam, pour Dieu et la liberté. Nathan, tu sais ce que ça veut dire? Sam, écoute-moi. Tire-toi de là où tu es et détruis ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Rafe nous a localisés. Sam? Sam! Bon sang. Hé! Je t'en paierai un autre. Ok, bon. Il veut pas se finir maintenant, le... Le chapitre, s'il vous plaît. Et voilà. Sully. Je crois que c'est la tour de Sam. Aucun doute, c'est bien la tour de Sam. Allez, viens. Par ici. Ah, excusez-moi. Pardon ? Excusez-moi. Je pense que Rafe sera là dans combien de temps ? Ce que je sais, c'est que je vais pas l'attendre ici. Allez, je pousse un petit peu la vidéo, mais... Désolé, mec. En espérant pouvoir finir ce... Ce chapitre. Mais comment je me fais toucher ici? Je comprends pas.
Ok. On continue à descendre la colline. Formidable. Hey, on l'a d'autre. Oh de Dieu. On doit continuer de descendre. Ah putain! Mais comment tu fais pour descendre? Je comprends pas. On doit continuer de descendre. Ah, faut quand même qu'on y aille. Allez. C'est le bordel. Sérieusement. Ah. Ça ne va pas s'en tirer si on ne descend pas en bas. On va voir si ce camion peut passer par là. Ah, c'est pas vrai. Allez, je suis pas droit. Attends. T'inquiète pas, je gère. Je gère plus du tout. Essaie de repérer Sam. Là, je crois que c'est lui. Juste là. Accroche-toi. Et tu crois que je fais quoi? Comment on peut l'atteindre? J'en ai aucune idée, mais... Mais surtout ensemble de pas perdre de vue. De Dieu. Tu crois qu'ils ont envoyé assez de types à nos trousses? Bah, étant donné qu'on est toujours en vie, j'en ai pas l'impression. Ah, ça va être chiant. Je sais. Hey.
Ah. Allez, on va essayer une dernière fois avant de... Avant de s'arrêter là, les amis. Donc là, il va falloir se hisser tout en essayant d'éviter de... Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter ici, parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça. On continuera dans la prochaine vidéo, les amis, pour la fin de ce chapitre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour cette vidéo assez longue. Je reprends pour finir, et on se retrouve très très bientôt pour la suite. Ciao, ciao.